Il est bien trop rare d'entendre les Roms s'exprimer. Parole de Rom propose chaque mois des vidéos en lien avec les personnes de culture rom dans lesquelles on entend enfin leur voix. Dernièrement, ce site publiait un reportage sur un campement à Roubaix où habitants et militants ont pu enfin exercer leurs droits. Étonnante nouvelle pour ceux qui ont plutôt l'habitude de se cogner au mur de l'arbitraire, pour ceux qui se résignent parfois à n'avoir pas de droit. En février dernier, la cour d'appel de Douai a invalidé le jugement qui autorisait l'évacuation des Roms habitant dans un bidonville, boulevard des Couteaux à Roubaix. Un petit coup de tonnerre quand même. Foarte bucuroși am fost. Alții plângeau, alții râdeau. Nu știți cum e, că doar n-avem unde să plecăm. Dormir tranquille, pas problème avec police. Les infos partent l'école tout au jour, non? C'était vraiment une surprise positive, dans le sens où on ne s'y attendait pas du tout. On pensait que l'expulsion devait avoir lieu 2-3 jours plus tard. Et finalement, ça a permis à l'expulsion de ne pas avoir lieu. Et c'était un peu inespéré. La cour d'appel de Douai, là, a réellement rempli son rôle de juge. Elle n'a fait que dire la loi. Alors on s'en étonne parce qu'aujourd'hui, il devient peut-être un peu... étonnant de venir indiquer que des personnes qui occupent illégalement un camp puissent avoir des droits. Eh bien si, c'est parce qu'on vit dans une démocratie. La défense des Roms du boulevard des Couteaux s'est fondée sur le principe du débat contradictoire. En l'occurrence, l'obligation d'information des intéressés n'avait pas été respectée. Toute la difficulté, vous l'avez bien compris, c'est que quelqu'un va demander à un juge quelque chose contre une autre personne, donc là des Roms sur un campement, sans que ceux-ci ne le sachent. Donc à un moment donné, il faut qu'ils le sachent, qu'il y a une décision contre eux, pour pouvoir après s'opposer à cette décision. Et c'est là où il y a toute la difficulté, c'est que souvent, les personnes ne savent même pas qu'il y a eu une décision contre eux et ils ne le découvrent que le jour où arrivent les services de police pour l'expulsion elle-même. Notre avocate nous a dit que ça va prendre entre 8 mois et 12 mois. C'est-à-dire qu'on a 8 mois, on a gagné du temps et on a 8 mois pour essayer de trouver une solution pour une dizaine de familles. C'est bien là la question. L'objectif final des Roms et de leur soutien est une amélioration de leurs conditions de vie. Certains habitants du bidonville ont trouvé des solutions de logement, parfois loin de Roubaix. D'autres familles, elles, attendent encore.